Salut à tous et bienvenue sur Vision High Tech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite vidéo sympathique, on va parler d'un jeu ultra accessible. Et si vous aimez, j'écoute les mots, si vous aimez les mots croisés, accessible, on va pouvoir jouer à ce jeu. Et tout ceci grâce à la VH et grâce à, j'écoute les mots, World Speaking. Donc un jeu entièrement accessible sous iOS et Android, c'est super, ça va permettre de passer des belles petites soirées qui peut-être vont être compliquées dans les prochains jours à jouer en toute accessibilité. Et ça, c'est sur la chaîne Vision High Tech, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude, et c'est parti pour qu'est-ce que peut nous apporter ce jeu en avant. Alors, ce jeu s'appelle... Moi j'écoute World Speaking. Le titre s'appelle « Mot, j'écoute, word, speaking ». Téléchargement, 29%. On est en train de le télécharger et on va le découvrir en même temps ensemble. Donc, je connais pas ce jeu, on va le découvrir ensemble. Vous allez voir, ça va certainement être génial. Premier jeu de mots accessible aux malvoyants avec un mode 100% vocal et un mode mixte vocal. Til Mot, j'écoute est un jeu dont le maître mot est l'accessibilité aux personnes à déficience visuelle. Ce jeu de mots croisés contient des grilles de difficultés faciles à modérer pour offrir au plus grand nombre des moments de réflexion ludique et instructif. Il permet de travailler sa mémoire tout en s'amusant avec une spécificité unique qui est la possibilité de jouer tout en partie avec la voix, mode partiel, mixte vocal / oblique tactile avec affichage simplifié adapté à la basse vision. Jouer aux mots croisés simplement en mêlant le tactile et le vocal à votre convenance, la taille des caractères, bouton double flèche, ou le graphisme, standard ou simplifié, mode total, 100% vocal, jouer aux mots croisés sans aucune action tactile. Les grands faits office de bouton / oblique off pour activer le micro et échanger avec l'assistance vocale, mode 100, jouer comme sur une application. Classique, pour ceux qui veulent tester leur vue et, pour ceux qui apprécient l'application et souhaitent poursuivre sans aide vocale. Ce jeu doit permettre aux malvoyants de travailler leur vision grâce à un mode dit simplifié qui affiche un écran sans artifice, des contrastes adaptés et des tailles de caractères variables. Offrir la possibilité de jouer ensemble en donnant l'accessibilité à ceux qui ne pouvaient pas ou plus participer activement. Faciliter le jeu par l'assistance vocale pour ceux qui utilisent le mode tactile classique. C'est un jeu pour tous et plus particulièrement pour ceux qui ont un grand besoin de découvrir ou redécouvrir les plaisirs des jeux de réflexion. La version actuelle propose des mots croisés. Mots fléchés, anagrammes, quiz à venir. N'attendez plus, téléchargez ce jeu gratuitement, testez les premières grilles fournies et lancez-vous. Eh bien, tout simplement, un grand merci à ces développeurs, à tous les testeurs qui ont testé certainement ce jeu avant d'être validé et téléchargé par tous. Compatibilité iOS Android assurée. Merci pour toutes ces personnes qui vont pouvoir redécouvrir et jouer par exemple en famille avec leurs enfants. Un grand merci et un gros pouce bleu sous la vidéo les amis. Abonnez-vous, c'est parti, on rentre dans le jeu. On va écouter qu'est-ce que peut nous apporter ce jeu. C'est parti. Donc un grand merci au développeur ou à ce développeur pour cette accessibilité de jeu énormissime. Merci. N'hésitez pas à les télécharger. Ça se passe sous iOS et sous Android. On l'ouvre. Allez, on passe tout de suite à l'ouverture de ce jeu. C'est parti. Ouvrir. Bouton. Ouvrir. Avertissement. World Speaking souhaite accéder à la reconnaissance vocale. Les données vocales recueillies par Setup seront envoyées à Apple pour traiter vos demandes. Cela aidera également Apple à améliorer sa technologie en matière de reconnaissance vocale. Par ici, on nous demande si on autorise le micro. Bien sûr, on va dire oui. Refuser. Bouton. OK. Bouton. World Speaking. Zone touchée direct. Avertissement. World Speaking souhaite accéder au micro. Alors maintenant, on nous demande d'accéder au micro. On va dire oui aussi. Refuser. OK. Bouton. C'est parti les amis. Zone touchée direct. Bienvenue dans Mot j'écoute. Dans ce jeu, vous pouvez naviguer à la voix ou au toucher. Pour utiliser le micro, appuyez et maintenez le doigt sur le bouton. Quand vous entendez le bip, parlez puis relâchez le bouton.
Vous pouvez couper la lecture des instructions à n'importe quel moment en interagissant par le micro ou le toucher avec le jeu. Si vous n'avez pas autorisé l'activation du micro au lancement du jeu, vous ne pourrez pas l'utiliser dans le jeu. Pour l'activer, allez dans les options de l'appareil ou réinstallez le jeu. Sur cet écran, le contrôle vocal fonctionne en appuyant sur la zone inférieure de l'écran. Vous allez choisir les paramètres du jeu. Pour les utilisateurs Android, coupez TalkBack pour pouvoir interagir avec le jeu. Pour les utilisateurs Apple, coupez VoiceOver pour interagir avec le jeu. Si vous êtes malvoyant ou sans baisse de la vision, dites malvoyant ou autre. Si vous êtes non-voyant, dites non-voyant. Concernant le contrôle vocal, souhaitez-vous jouer? 100. L'application est navigable uniquement au toucher. Partiel. L'application est navigable au toucher et à la voix grâce au bouton micro. Total. Navigable uniquement à la voix, l'écran devient le bouton micro. Voilà, donc on a trois possibilités de navigation. On pourra même, en tant que personne à mobilité réduite des membres supérieurs, naviguer juste à la voix. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, c'est la première fois aussi que l'on peut utiliser un jeu sur iPhone sans utiliser VoiceOver. À remarquer, c'est vraiment super. Je désactive mon VoiceOver. VoiceOver désactivé. Trois fois sur le bouton Home ou trois fois sur le bouton marche arrêt de votre iPhone. En me positionnant sur le bas de la vitre de mon iPhone, je vais appuyer et lui dire tout simplement non-voyant. Non-voyant. Bienvenue dans Mo J'écoute. Dans ce jeu, vous pouvez naviguer à la voix ou au toucher. Pour utiliser le micro, appuyez et maintenez le doigt sur le bouton. Quand vous entendez le bip, parlez puis relâchez le bouton. Vous pouvez couper la lecture des instructions à n'importe quel moment en interagissant par le micro ou le toucher avec le jeu. Si vous n'avez pas autorisé l'activation du micro au lancement du jeu, vous ne pourrez pas l'utiliser dans le jeu. Pour l'activer, allez dans les options de l'appareil ou réinstallez le jeu. Pour jouer une nouvelle grille, dites nouvelle. Pour continuer une grille en cours, dites continuer. Pour rejouer une grille déjà terminée, dites terminer. Pour rejoindre la boutique, dites boutique. À n'importe quel moment, dites options pour accéder aux options, ou dites quitter pour fermer le jeu. Pour réécouter les instructions, dites instructions. Génial, non? Énorme, franchement, super. Allez, on fait une nouvelle. Nouvelle. Choisissez la taille de la grille que vous souhaitez jouer entre. Taille 9. Taille 11. Ici, on nous demande de choisir la taille suivant la déficience visuelle. On a donc un écran avec de grandes icônes que je vous mets ici en très gros sur votre écran. C'est franchement super accessible, normal. C'est fait pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et autre handicap certainement. Alors ici on va dire 9. 9. Veuillez répéter. Veuillez répéter. Bon, alors je répète. 9. Veuillez répéter. Veuillez répéter. Il veut pas m'écouter ou quoi? Taille 9. Taille 11. Taille 9. Grille 9 par 9. Grille disponible. Grille 1 actuellement sélectionnée. Dites jouer pour commencer. Ou grille suivante et grille précédente pour en choisir une autre. Voilà, donc ici on vient de faire apparaître une grille. Tout en haut à droite vous avez un bouton paramètres. Tout en haut à gauche vous avez une flèche pour retour. On a donc notre grille prête à l'emploi et on va lui demander de jouer. C'est parti les amis. Veuillez répéter. Veuillez répéter. Jouer. Pour naviguer dans la grille, utilisez les commandes vocales suivantes. Mo
mot suivant ou mot précédent. Ligne 1 à 9 ou colonne 1 à 9. Pour répéter la définition d'un mot, utilisez la commande. Commande définition. Pour obtenir un indice sur le mot à trouver, dites commande aide. Pour obtenir la réponse à un mot, dites commande réponse. Pour un rappel des instructions, dites commande instruction. Pour retourner au menu principal, dites commande retour. Pour aller dans le menu des options, quitter le jeu, dites commande option, commande quitter. Pour les joueurs en navigation sans ou partielle, cliquez sur le bouton avec les flèches pour mélanger les lettres disponibles et les agrandir légèrement. Mot en 9 lettres, chien attache. Franchement, accessibilité au maximum, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi un maximum de likes pour ce développeur pour avoir développé cette application ultra accessible. Je compte sur vous, sur vos likes, sur vos commentaires et surtout sur vos abonnements les amis. Alors, mot en 9 lettres, chien attaché. Vous connaissez la réponse vous parce que moi non. Allez, je cherche pour voir. Alors les amis, là on nous demande un mot clé qui nous dit chien attache. Ici, moi je vais lui dire par exemple dalmatien. Correct. Yeah. Mot en 3 lettres, Amérique. Mot en 3 lettres, Amérique. Oui, oui, oui. Alors, mot en 3 lettres, Amérique. Ça serait pas USA, les amis? USA. Correct. Mot en 3 lettres, transport en commun. Bus. Incorrect. Essayez encore. Voilà donc, les amis, World Speaking. J'écoute les mots. À vous de jouer. Dites-moi ce que vous pensez de cette application sous iOS Android. N'hésitez pas à la télécharger un maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Bisous à tous. Portez-vous bien. Salut à tous.